Bonjour. Bonjour. Solidaire d'abord, donc cette émission sur Fréquence 7 où on essaye de ne pas mâcher nos mots par rapport aux luttes en cours. Alors, évidemment, on va parler des retraites, on va parler de la mobilisation, on va parler aussi du fond, pourquoi les gens se mobilisent beaucoup. On va parler donc aussi de Tintin au Congo, si vous n'êtes pas au courant, on va vous expliquer. On va parler des pesticides, et puis on va parler du sens des mots, parce qu'on a vraiment l'impression que les mots sont complètement dévoyés en Macronie, en permanence. Donc ça sera tout le long de l'émission. On va parler de un an de guerre, hein, c'est ce que tu dis, oui. Denis. Et tu voulais qu'on particulièrement. Ouais, ça fait un an. Ça fait un an que la guerre a commencé. Et vous verrez que nous, on n'a pas pris position ni pour l'un ni pour l'autre. On prend la position contre la guerre. On est scandalisé qu'il y ait cette guerre, évidemment. Et elle a des ramifications et elle a des explications diverses et variées. Et puis, il y aura ton quiz à la fin, Denis. Oui, il y aura le quiz. Voilà. Alors d'abord, sur la mobilisation contre cette réforme des retraites, avant tout, il faut que je vous dise, demain, donc, il y aura une grande manif, demain 7 mars, mais à 17h30, il y aura une assemblée générale au pôle de service pour évaluer, envisager la suite du mouvement, ici. Ce soir, à Saint-Laurent-sous-Coiron, à 19h, dans une salle qui s'appelle la Commune. Alors c'est un bar, hein, je sais pas exactement ce que c'est. Je crois que c'est un bar associatif. C'est un bar associatif, ouais, la Commune. Il y a à la fois discussion et projection de films autour de la grève, de la réforme, etc. Évidemment, il y a tout ça. C'est pour alimenter les caisses de grève. Voilà. Entre autres, c'est pour alimenter les caisses de grève. Alors, justement, par rapport à ça, on voulait parler d'un tract qui est sorti de la CNT. Hein. Denis, si tu veux bien, là, on va avoir un peu des éléments sur, justement, cette journée de demain, peut-être. Oui, la CNT, bon, c'est un syndicat engagé, bien engagé. Et ils prônent la grève totale, ils prônent la... bloquer le pays pour que vraiment que ça avance, enfin que ça recule, on va dire, que le gouvernement recule sur ses positions. Ouais. Et le truc, c'est qu'ils mobilisent, ils essayent de mobiliser au maximum dans tous les secteurs. C'est vrai que la CNT, ils ne sont pas tellement représentés, c'est un petit syndicat. Donc leur voix porte peut-être pas trop par rapport à la CGT ou FO ou la ZDT. Mais par contre, ils sont très motivés et très engagés dans le mouvement. Ouais. Très engagé. Et ils disent qu'il faut à tout prix qu'on passe à la vitesse supérieure. Voilà, oui, ah oui, exactement. On va pas traîner parce que là, c'est plus les gens, ils veulent bien faire grève un petit peu, mais ça peut pas durer non plus trop longtemps. À part les gros groupes, évidemment. Voilà, on peut pas non plus toujours demander aux gros groupes, que ce soit la SNCF, les dockers et les DF et compagnie, de toujours mener la danse et de s'impliquer. Il faut quand même que tout le monde s'implique et que tout le monde fasse sa part du travail et de la mobilisation. Mais il est certain que la vraie solution, sans doute, c'est de bloquer le pays. Hein, oui. Parce que on peut pas faire tout le temps des manifestations. Enfin, voilà. Mais c'est entre autres ce qu'il y a dans leur tract. Voilà. Ils expliquent que faire la grève en pointillé, là, il y a un moment, il faut passer à la vitesse supérieure. Voilà. Ah oui. Enfin, Monsieur Véran nous a dit qu'on allait vers l'apocalypse. Ah oui. C'était un peu dément. On a du mal à comprendre. Hein. Non, mais là, c'est le sens des mots. Écoute, c'est toujours cette histoire avec la Macronie. On a ça à tous les étages, en permanence. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'exagération, dans le mensonge permanent. Donc là tu sais pourquoi il y a eu l'extinction des dinosaures. Oh, je sais pas. Bah, pas c'est à cause de l'action syndicale. Hein. Voilà, bien sûr. Oui. Mais forcément. Hein. D'ailleurs, Véran le dit. Non, mais bon, c'est vraiment un fort de café quand même. Ouais. C'est tellement gros qu'ils sont même plus crédibles. Oui, c'est ça. Oui. Entre leurs mensonges sur la retraite à 1200 euros, le ci, le ça, les carrières longues, suivant l'âge qu'on a commencé à 16 ans ou à 17 ans ou à 18, c'est pas pareil. Et là, maintenant, voilà, ils tiennent des propos vraiment... Les propos de Véran, c'est franchement assez incroyable. Hein, qu'enfin, on a l'impression, je dis le mec, soit il se drogue, soit il délire. Quoi. Oui, parce qu'on est dans l'irréel. Quoi, mais hein. Tu sais, il était dans la même voiture que Palmade. Ça doit être ça, oui. C'est lui qui a foutu le camp. C'est lui qui s'est barré.
Je crois qu'il y en a qui l'ont vu, d'ailleurs. toutes les grandes conquêtes, toutes les grandes conquêtes sociales ont été faites par la force. Hein. Jamais le patronat n'a dit « Allez, je vous donne des avantages ». Elles n'ont pas été faites par Véran, ça c'est sûr. Non. ça a été toujours fait dans la douleur et dans les grèves et dans les manifestations. Tout à fait. Si on a eu la semaine des 40 heures, c'est parce qu'il y a eu à la fois 36, mais en même temps, les gens, ils étaient dans la rue. Hein. Voilà. Là, ils étaient en même temps, mais pas en même temps pour faire le contraire d'un truc. C'est pas pour dire « Oui, je rase gratis et puis après, poum, je t'assomme pour te raser ». Non. Ah non. C'était pour de vrai. Alors, pour annoncer le printemps, on veut semer de l'amour, mais ça va se faire quand même un peu durement. Quoi. Ah, hein? Oui, oui. Ouais. Oui. Il faut annoncer la couleur. Mais déjà, quand les gens y souffrent, il ne faut pas croire. Quand on dit qu'un Français sur quatre ne mange pas, ne fait pas ses trois repas par jour, c'est que déjà les gens y souffrent. Ah ben, de la souffrance, il y en a, oui, ça, c'est certain. Renaissance est contre le repas à 1 euro pour les étudiants. Oui, hein. Oui. Je ne sais pas comment on peut faire des études si on pense à manger et qu'on a le ventre vide. Hein. Attends, Emmanuel Macron, il sait ce que c'est, les problèmes des étudiants. Il avait que 1000 euros d'argent de poche quand il était étudiant. Donc il sait ce que c'est, la misère. Oui. Il y a des mecs comme ça qui savent tout, hein, comme Dussop qui a travaillé en usine. Ah, oui. Hein. Oui, par exemple, il paraît qu'il a travaillé un mois. Mais enfin, et qu'il nous fait une réforme de gauche. pendant l'été, mais bon. Il nous fait une réforme de gauche, tu le savais pas, toi. Hein. Et alors, lui, il fait une réforme de gauche. Et les mecs LR en ce moment au Sénat, qui sont en train de discuter de la réforme, ils nous expliquent que c'est une réforme de droite. Donc t'es là, tu écoutes les uns et les autres qui parlent. À ça, pour parler, ils parlent. Hein. Mais alors, est-ce qu'ils ont la moindre idée de ce que veut dire un mot? Je suis pas sûr. Les sénateurs LR, ils poussent le bouchon un peu plus loin. Pour marquer leur différence avec la Renaissance, ils poussent le bouchon un peu plus loin encore. Là, ils voudraient remettre de nouveau de la retraite à points ou par capitalisation. Et par contre, je voudrais bien savoir, Madame Ventalon, là, notre sénatrice de Vals-les-Bains, là. Qu'est-ce qu'elle en pense? Qu'est-ce qu'elle en pense et comment elle va se positionner? Est-ce qu'elle va aller, ça va être piscine ce jour-là ou On a d'ailleurs décidé de suivre le vote, disons, de députés, sénateurs, hein, de notre coin, pour savoir exactement comment ils se positionnent. Je pense que les auditeurs seraient contents de savoir. De communiquer. Voilà, puis savoir que Madame Ventalon va les faire travailler jusqu'à 64 ans, quoi, par exemple. Voilà. Je sais bien qu'elle n'est pas élue par les citoyens, que c'est les grands électeurs qui l'ont mis là, mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas, oui, de savoir, oui. Alors, c'est vrai que sur le fond, cette réforme des retraites, elle attaque, en fait, notre argent au jour le jour. Je ne suis pas en train de dire pouvoir d'achat, vous avez bien vu, peut-être, parce qu'on a dénoncé ici les excès de ce mot utilisé sans arrêt, pouvoir d'achat, parce qu'en fait, quand on parle de pouvoir d'achat, on parle absolument pas des cotisations, donc on parle absolument pas du service public, on parle absolument pas de toutes ces choses-là, qui sont un pouvoir de vivre qui va avec notre salaire normalement. En augmentant les salaires, on nous permet de cotiser à la retraite, au chômage, etc. Alors que si on nous parle de pouvoir d'achat, c'est-à-dire de baisser les prix dans les supermarchés comme ils font... Oui, mais c'est que temporaire. Hein. Là, c'était maintenant, il annonce 3 mois de baisse de prix, prix planchers, des prix plats, voilà, des prix minimums. Enfin bon, c'est 3 mois, c'est juste le temps de passer la colère des gens en ce moment, quoi. Voilà, c'est ça. Et parallèlement à ça, il y a quand même Pouyanné qui est en train de nous expliquer que, bah oui, écoutez, ça ne montera pas au-dessus de 2 euros. Hein. Voilà, non, mais, 19. Il va empêcher que ça monte. Donc, en fait, il est en train de nous dire, ben, maintenant, c'est 2 euros, les copains, hein, si vous n'aviez pas compris. Enfin, Pouyanné, lui, il gagne 520 000 euros par mois, donc je pense qu'il ne doit pas avoir trop de problèmes de budget. Total énergie, alors là, c'est... Bon, tout à l'heure, il y aura un petit truc là-dessus, quand on parlera de l'Afrique, parce qu'on va sûrement parler un tout petit peu de l'Afrique avec Tintin au Congo, mais vous allez voir ça. Et alors, il y a quand même ce dossier qui a été fait par un copain qui s'appelle François, qui a fait ce dossier en fonction aussi d'une vidéo qu'a fait Ruffin, qui s'appelle François aussi. Il s'appelle François aussi. Et qui nous explique qu'entre autres, le PIB a été multiplié par 5 depuis 1980. Et la répartition de la valeur ajoutée du travail, alors là, on rentre dans des trucs où les gens, en général, partent en courant parce qu'ils ont peur, parce qu'on commence à rentrer dans des trucs très compliqués. Non, la valeur ajoutée, c'est pas si compliqué que ça. C'est en fait ce que fait comme sous une entreprise, hein, en gros, quelque part. Et normalement, il y avait 74% en 1983 de cette valeur ajoutée qui allait au salaire. Et puis, en 1990, c'est plus que 64%. Donc, en fait, dans
ce que fait comme pognon une entreprise, pour faire simple, hein, à un moment, la répartition a été très très en défaveur par rapport au salaire. Et donc, forcément, ça a impacté les salaires. Tu as lu un peu le dossier, toi, là ? Alors, j'ai lu un petit peu le dossier, oui, oui, oui. Et l'ensemble des valeurs ajoutées forme le produit intérieur brut, hein, ouais, sur une année. Hein. On parle de la réforme des retraites, mais je voudrais avant dire, tu parlais en début d'émission sur le sens des mots. Attends, je finis là, alors, parce qu'on est toujours sur ce dossier de François Aublin, là, qui est le copain, voilà, qui a fait le truc. Donc, il parlait des 70-75%. Je pensais que tu allais parler de ça. 70-75% de la valeur ajoutée qui allait au salaire. Et ça voudrait dire, si on avait toujours ces 74% de valeur ajoutée qui aller sur les salaires à l'heure actuelle, ça voudrait dire qu'on dégagerait 150 à 200 milliards de plus pour les salaires à l'heure actuelle. Je crois même dans les 250 milliards, ouais, je crois. Même peut-être 250. En tout cas, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire qu'on ne serait pas obligé de faire des suppressions de postes, on ne serait pas obligé d'avoir la stagnation des salaires que l'on a depuis un certain moment. Ça voudrait dire que la sécurité sociale se porte très très bien. Voilà, parce que, évidemment, si là il y a stagnation des salaires et le gouvernement essaye de bidouiller en baissant les cotisations pour pouvoir nous montrer qu'il se préoccupe de nos salaires. Mais en fait, donc, ils sont en train de baisser complètement l'argent qui va à la sécurité sociale. Ils se préoccupent plutôt du capital. Voilà, absolument. Et pendant ce temps-là, on se retrouve avec des gens qui travaillent au temps partiel, avec une ubérisation de la société de plus en plus grande. Et donc, évidemment, à un moment, on va se retrouver avec cette sécu qui va être déficitaire encore plus. Ils vont nous la montrer du doigt et nous expliquer qu'on ne peut pas continuer comme ça, quoi. Hein ? C'est ça qui est en train d'arriver. Oui, et c'est pour cela que tu parlais du sens des mots. C'est pour ça qu'au lieu de parler peut-être de réforme des retraites, on ferait mieux de parler de régression sociale. Parce qu'il s'agit vraiment d'une régression sociale. La régression sociale qui est en train de nous mettre en place le gouvernement Macron. Hein. Voilà. C'est puisque ça sera environ 150 à 200 000 précaires de plus. Hein, de plus. Et tout cela est mesuré. Alors pourquoi ? Ben parce que les corps s'usent, les gens, déjà il y a énormément de personnes qui commencent tôt dans la vie active, les carrières longues, hein, ce qu'on appelle les carrières longues, et ces gens n'arrivent même pas à la retraite aujourd'hui, hein, donc si on recule l'âge ça va être encore pire, et beaucoup aussi sont en inaptitude, en incapacité, au RSA, au chômage. Et ils se trouvent déjà dans un sas entre la fin de leur emploi et la retraite. Donc ils sont déjà souvent en pauvreté. C'est-à-dire au lieu que les gens soient tranquilles en se disant « Enfin, je suis arrivé à la retraite et je peux vivre tranquille, je peux m'occuper de mes petits-enfants, je peux aller au club associatif, sportif, mener ma vie », eh bien ils sont tourmentés et ils ont des revenus de merde, hein, il faut le dire, hein, des revenus qui permettent pas de vivre. Sans compter que dans le privé, c'est les 25 meilleures années. Donc si les dernières années sont catastrophiques financièrement, ben, ça va pénaliser, ça va faire baisser les retraites systématiquement. Voilà. C'est la double pénalité. Un, parce qu'ils vont se retrouver au chômage ou au RSA. Et deux, ils sont pénalisés pendant leur retraite. Mais le but de ce gouvernement, en fait, c'est de créer un choc de population active. C'est-à-dire il veut qu'il y ait plus de main-d'œuvre. Plus de main-d'œuvre, plus de chômage, hein, qu'il y ait plus de souffrance, en fait, que les gens soient très nombreux à chercher de l'emploi, de manière à mettre une concurrence dans les salaires, et une concurrence pour faire baisser. On peut baisser les salaires. Voilà. Hein. Alors, de combien c'est évalué ? Alors, c'est évalué, oui, à peu près de moins 3%. La baisse des salaires est mesurée à moins 3% sur 10 ans. Hein. Voilà. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui l'avait carrément dit haut et fort, un Américain s'appelait Warren Buffett. Hein. Donc ce monsieur était un homme d'affaires, investisseur et milliardaire américain. Et il disait tout simplement, la guerre des classes existe, c'est un fait, mais c'est la mienne, la classe des riches qui mène cette guerre et nous sommes en train de la remporter. Voilà. Et Macron, donc, met tout cela en place. Oui, bien sûr. Mais Macron, c'est un petit Thatcher, Reagan, etc. Il est complètement dans cette logique-là. C'est un donc, clone. Voilà, c'est un clone. C'est un clone. Bon, voilà. Et c'est un menteur. Ne vous laissez pas abuser. C'est un menteur systématique. Et tout ça, il le fait avec un grand sourire. Bon, on va voir tout à l'heure ce qu'il est capable de dire au Congo. Mais enfin, bon.
D'autre part, il y a la baisse des impôts sur les sociétés, qui au départ était un impôt qui représentait 50%, que c'était peut-être beaucoup, je ne sais pas. Après, moi, je ne suis pas économiste, bon, voilà. Mais maintenant, on se retrouve avec les entreprises du CAC 40 qui ne payent plus que 4% d'impôts. Alors que théoriquement, la barre est à 25%. Mais eux, ils ont des passe-droits. Quand elles en payent encore, hein, parce voilà. que, par exemple, Total, que tu citais, est en Hollande, je crois. Ouais. Hein, ils expliquent qu'ils ne font pas de bénéfices chez nous. Voilà. Hein. Donc, vous allez à la pompe et que vous payez votre essence, non, ça ne va pas à Total Énergie. Ils ne font pas de bénéfices chez nous. Voilà. Oui, mais Macron nous l'expliquait, c'est pour améliorer la compétitivité. Ouais. Voilà. Si on veut être compétitif, il faut faire des cadeaux aux entreprises. La concrédibilité, oui. Enfin, bon, bref. Mais il ne nous parle pas beaucoup, par contre, de la répartition de la valeur ajoutée. Mais par contre, il faut quand même écouter. Le soleil se lève à l'est, tu vois. Parce que le libre-échange est quand même quelque chose de magnifique. Le soleil se lève à l'est pour les ouvriers. À l'est, le travail est moins cher. Donc... il faut regarder à l'est pour les travailleurs, tu vois, parce que comme ça, on peut baisser leur salaire. Mais pour les patrons, par contre, à l'ouest, aux USA, alors les patrons sont mieux payés. Donc là, le soleil, tu vois, il faut regarder le soleil, comment il évolue. Hein. En 1980, c'est Ruffin qui le dit, une semaine de travail allait aux actionnaires. De nos jours, quatre semaines vont aux actionnaires, quand même. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Alors voilà, sur le dossier retraite et les conséquences sur les salaires, etc., on a à peu près fini. Et alors, je voulais faire un tout petit truc sur quand même Tintin au Congo, parce que c'est Macron, hein, Tintin au Congo, je ne sais pas si vous avez vu, mais il est quand même allé en Afrique centrale. Et là, entre autres, il a quand même été capable de dire en RDC, République démocratique du Congo, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté militaire, sécuritaire, administratif de votre pays. Il va donner des leçons, le mec. Tu vois, la France-Afrique est finie. Mais il est quand même capable de dire ça au micro, devant les dirigeants du RDC. Voilà, c'est complètement fou. Il est allé voir Ali Bongo au Gabon. Il est allé voir Denis Sassou Nguesso à la République populaire du Congo, puisqu'il y a deux Congos. Hein, voilà. Et là, il est allé leur passer la pommade à ces gens qui sont quand même en place depuis 50 ans, 60 ans. Hein, parce que Nguesso, il est là depuis 1979. Quand même, c'est pas rien. Hein. Et ces gens-là, ils sont là parce que la France les a aidés à accéder au pouvoir, et c'est la France qui les aide à rester au pouvoir, quoi. Mais la France-Afrique, c'est fini. Tintin au Congo, je te dis. Oui, oui. Mais il y a des intérêts en Afrique. Les entreprises françaises sont bien implantées. Bolloré, Total et compagnie, ils sont tous là-bas pour s'en mettre à plein les poches. Tant qu'il y a des richesses dans le sous-sol. Un petit truc pour abonder sur ce que tu es en train de dire, sur la France-Afrique. Donc voilà, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous dans plein de pays. Il y a même le Trans-Gabonais, là, par exemple. Ils sont en train de mettre un train, théoriquement un train, c'est pour aussi transporter des personnes. Mais ça les intéresse. Pas ce qui les intéresse, c'est de transporter uniquement les marchandises. Et ce train, il est amené, ils font des gigantesques travaux, et après ça sera à la charge des Gabonais, évidemment. Mais tout ça, c'est pour sortir les ressources minières du Gabon. Enfin, bref. Alors, tu voulais nous parler des pesticides. Oui, les pesticides, oui. Alors là, les pesticides, ça bouge un peu là, les pesticides, parce que il y a eu le scandale des néonicotinoïdes. Donc l'Europe, heureusement qu'elle est l'Europe des fois, hein, parce que c'est bien elle qui tape un peu du poing sur la table, qui veut les interdire, et les Français vont être obligés de suivre, sinon ça va être des amendes. Donc jusqu'à maintenant, ils avaient échappé, mais pas que les agriculteurs français, les agriculteurs de tous les pays avaient échappé, mais ce coup-ci, là, ils ont serré la vis, et ils veulent vraiment que ce coup-ci, on n'y revienne pas dessus. Il y a eu des délais pour que les gens trouvent des solutions, enfin les gens, les industries... phytosanitaires trouvent des solutions alternatives pour que ce soit moins dangereux pour les abeilles et tous les insectes et les oiseaux. Apparemment, ils ont fait... Il y avait un premier plan en 2008, hein, quand même, sous Sarkozy, hein, qui s'appelait, je ne sais plus comment, là, tu dois avoir le nom là, de ce plan, en gros. Et donc, on a
eu successivement comme ça plein de plans qui se sont qui prennent toujours le même nom, hein, et ça fait 15 ans quand même, c'est 2008 jusqu'à 2023 pour arrêter les néonicotinoïdes, oui, par exemple. Oui, parce que c'est, je crois, c'est 43 000 tonnes de pesticides, enfin de pesticides insecticides qu'on utilise en France chaque année. Donc c'est quand même, ouais, 43 000 tonnes. Hein. Mmh. Donc c'est pas peut-être, hein. Donc voilà, il y a de quoi. Et puis alors, les agriculteurs, les agriculteurs, enfin, c'est plus d'agriculteurs après un certain niveau, ils sont impactés premièrement parce que c'est les premiers touchés par tous ces produits qui passent. Il y en a beaucoup qui sont malades et qui meurent. Même. Voilà, les ouvriers agricoles, n'en parlons pas parce qu'eux, ils sont tenus de ne pas aller dans les champs. Alors que normalement, il y a des délais de réentrance. Donc normalement, un champ traité, on n'a pas le droit de rentrer, de re-rentrer dedans pendant tant de temps. Deux jours, deux heures, enfin, ça dépend des produits. Mais ben, l'ouvrier agricole, ben, si le patron dit y aller, ben, il y va. Hein. Et les riverains aussi sont touchés. Parlons pas des nappes phréatiques et compagnie. Les riverains sont touchés. Il y a eu des études et les riverains étaient touchés par tous les produits utilisés dans le champ voisin, sauf les herbicides. Et le non-respect de notre terre aussi, le non-respect de la terre, de la fécondité. Ces plans s'appelaient éco-phyto. Il y en a eu un sous Sarkozy, puis Ecofito 2, Ecofito 3, 2+, et Elisabeth Borne a expliqué que maintenant il n'y a plus d'objectif à ces plans. Parce qu'avant il y avait quand même un objectif qui n'a jamais été tenu, c'était de réduire les trucs, maintenant c'est même plus tenu. Mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de produits qui ont été supprimés, moi personnellement. Je suis obligé de vous accélérer parce qu'on voulait dire un tout petit mot sur la guerre, hein, c'est particulièrement toi Denis, il me semble, hein, et juste un tout petit bout de la chanson de Craon qui a été chanté par les gens qui sortaient des tranchées en 1918 et qui, voilà, quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Et voilà, en Ukraine, ils sont dans les tranchées. Oui, voilà. Oui. Et c'est terrible, quoi. Terrible, c'est à côté de chez nous. Mais c'est pas plus terrible que les guerres qui se passent au Yémen en ce moment. Hein. Moi, je suis pas en train de dire que parce que c'est une guerre entre blancs, que c'est mieux qu'une guerre pour servir Si c'est que Yémen, Voilà. Malheureusement, c'est pas que Yémen. Voilà. Donc ça fait un an qu'il y a cette guerre. Tu voulais marquer le coup, toi, Denis. Oui, oui. Puis c'est une guerre avec des armes. Après, il y a les guerres bactériologiques, il y a les guerres de enfin bon, le monde capitaliste met une pression pas croyable sur les autres pays, d'Afrique ou d'Amérique du Sud. C'est une guerre larvée. Les premiers à se frotter les mains de ces morts et de ces misères, ce sont les capitalistes du gaz et ceux de l'armement. Et on nous invente une fable, il s'agit d'innocenter les profiteurs de guerre, dont Total Energy, tiens, encore eux, protégés et soutiens de Macron, multinationales françaises du Texas et du Nouveau-Mexique. Et comme ça, ils nous refilent les gaz de schiste. Oui, la Farge a signé des accords avec Daesh quand il était là-bas. Voilà. Ils n'ont pas de limite. Si on ne veut plus de guerre, il faut que les guerres appauvrissent les riches. Oui, voilà. Mais comme c'est jamais et voilà. Juste une toute petite brève avant ton quiz, pour avoir accès à Parcoursup, c'est une info de InfoRC, pour accéder au choix, il faut faire du travail d'intérêt général maintenant. C'est bien, hein? D'accord. C'est bien le Parcoursup, c'est vachement ouvert. Hein, c'est comme le RSA, travailler gratos. Ouais, c'est ça. On va de l'avant. Ouais, on va de l'avant, ouais. L'esclavage, allez. Le nouvel esclavage. À ton quiz, alors, Denis. Bon, alors, mon petit quiz. Alors, ce coup-ci, cette semaine, il est compliqué, il est dur. Alors, je commence. 1. Dans le cas qui nous concerne, aujourd'hui, je suis immatériel. 2. Je suis pratiqué à tout âge. 3. Parfois, on m'utilise inconsciemment. 4. Je peux avoir des conséquences très graves. 5. Je suis très pratiqué par les politiques, mais pas que par eux. Moi, j'ai trouvé c'est le mensonge. Non, ah, pardon, c'est pas ça. C'est pas ni la langue de bois. C'est pas le mensonge. Ni la langue de bois. Non, c'est ni le mensonge, ni la langue de bois. Alors, je sais pas. Alors, je donne ma langue à Denis. Dans 15 jours. Dans 15 jours. À 15 jours. Ciao. Bye. Au revoir.